Bonsoir, ici Annie Gagnon. Ici Michel Jean, bienvenue à JE. De la part de toute l'équipe de JE, on vous souhaite une très bonne année 2008. Et vous allez voir, on vous réserve pour cette deuxième moitié de saison plein de dossiers chauds. Et un dossier, Michel, qui va en surprendre plusieurs, c'est qu'on pense à Montréal qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup plus de rats. En fait, Annie, il y a deux fois plus de rats qu'il y a d'habitants à Montréal. Ça fait 4 millions de rats qui vivent à Montréal. Vous ne les voyez pas habituellement parce que les rats vivent dans les égouts, donc ils vivent sous terre. Et l'enquête de GIA va vous montrer des infestations aux quatre coins de la métropole. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est d'où viennent ces rats? Montréal-Ouest, coin Sherbrooke et Trenholm. Il y a la gare, une garderie, un petit parc fréquenté par des familles et juste en face, un terrain occupé par plusieurs familles, des familles de rats. On voit très bien, d'ailleurs, par les traces que vous voyez ici dans la poudre. Puis aussi, si vous regardez... Ça, c'est de la farine, ça? Ça, c'est de la farine. Ça, c'est des traces de... Quelqu'un a mis de la farine, puis il y a des traces dedans. Si vous regardez autour du carton, vous voyez très bien, sur le coin, là-bas, il y a un passage. Nous autres, c'est notre terminus. Il y a plein de rats qui se promènent. Ils se cachent en dessous de la pierre. Puis ils s'en vont en dessous de la cabane. Les rats occupent visiblement la place depuis longtemps. Tout ça, c'est leur chemin, ça? Oui, voyez le tour de l'arbre, là? C'est leur chemin, puis ils s'en allent en dessous de la bâtisse, là. Si vous regardez comme il faut, sur ce côté-là de la bâtisse, d'ailleurs, vous voyez des trous. Vous voyez les trous? Et tantôt, ils rentraient là. And I looked and I looked again because I thought it was a squirrel. And I looked and I no word of a lie. L'autre jour, je pensais que c'était un écureuil, dit cette résidente écœurée. Je vous jure, ajoute-t-elle, je les ai comptés, il y avait 2 douzaines de rats. Pas besoin d'attendre bien longtemps, même en plein jour. Les rats se promènent librement en toute quiétude, juste à côté des enfants. Ils sont là. Harold Lévy a reçu de nombreuses plaintes de résidents dégoûtés. Comment vous expliquez des rats ici? C'est un problème d'égout. Il y a un égout ouvert à quelque part ou un égout brisé. Ça peut être un égout de la ville comme un égout d'un privé. Mais les rats à Montréal, ils vivent dans le système d'égout. Ils vivent dans le système d'égout, puis sans arrêt, ils cherchent de l'air. Et quand ils sentent de l'air, ils vont suivre les chemins pour essayer de trouver un endroit pour faire un nid. Cette infestation ne constitue pas un cas unique, loin de là. Ici, on a un problème très classique. À l'autre bout de la ville, dans l'est rue Iberville, les rats se répandent. On voit très bien, d'ailleurs, dans la poussière ici, dans la terre, les traces des pattes des rats. On voit qu'il y a beaucoup d'activités la nuit. Ils doivent jouer beaucoup autour. Ça, c'est très clair. Quand on dit un rat, on peut avoir combien de rats ici? On parle toujours, une famille de rats, c'est entre 10 et 15 rats. Ça, c'est la famille classique. Donc, un trou comme ça, c'est 10 à 15 rats ici. Ah, bien, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'un trou comme ça, c'est une ouverture directe à l'égout de la ville. On voit très bien les gros trous creusés par les rongeurs le long des édifices d'habitation. Ça fait combien de temps que vous voyez des rats dans le coin ici? Roger Gauthier travaille comme concierge ici depuis 22 ans et il ne voit pas des rats qu'à l'extérieur des édifices. Comme en bas ici, juste à la voir la petite femme en bas, là, elle va te dire bien comme il faut. OK? Va au centre des 18, hein, ils changent de locataire à tous les 4-5 mois, ça va te dire bien comme il faut. Au centre des 18, au 84, c'est moins pire, là, parce que la femme a fait... À cause des rats, c'est sûr, je te le dis. C'est à cause des rats, c'est sûr. Les gars, on est assis ici, ils passent ici, ils nous passent en face. Je te le dis, c'est sûr. Hein? Je peux aller chercher des locataires, moi, qui n'ont vu, moi, je l'ai vu aussi. On était assis là, on grosait, le rat passait. Puis ils s'en allaient en dessous ici. Les rats ont envahi la rue depuis 2 ans sans que la ville ou les propriétaires ne bougent le petit doigt. Ben, je trouve ça, moi, c'est ça. Je dis vraiment, il y a de quoi qui n'est pas normal. Il y a des égouts qui sont défoncés. Je ne sais pas où, moi, c'est ça. C'est-tu la ville, c'est-tu les appartements que les égouts sont défoncés, puis les rats sortent par là. Quand une femme lève le couvercle de la toilette, puis que le rat, qui est en toilette, ici, c'est un problème privé qui est très clair. L'entrée d'eau est ici, l'entrée d'égout est juste à côté. Mm-hmm. Ils font juste une tranchée. Harold Lévy trouve rapidement la cause possible de l'infestation. Le sol a probablement cédé avec le temps sous le poids de l'édifice et a causé une rupture du tuyau d'égout. Et quand vous regardez près de la maison, vous voyez le trou par lequel le rat sort. On le voit très bien. On a une ouverture ici. À certains moments, on sent de l'air qui sort, qui vient directement de l'égout. Puis si vous regardez, on a ici des débris
On a ici une feuille qui est mangée par les rats. On voit bien les dents des rats, les Q-tips qui ont été emmenés ici par les rats. Et je ne sais pas si vous l'avez eu, on a eu une odeur d'égout qui est venue. Là, et c'est très clair. L'égout est cassé. Il est cassé tout probablement au 1er juin. Il est ouvert. C'est le cas le plus fréquent. Un problème de rats égale toujours faille dans le système d'égout. 4 millions de rats vivent dans le réseau montréalais. Et lorsqu'une faille se produit dans les tuyaux centraux ou dans le réseau secondaire relié aux résidences, comme sur la rue Iberville, eh bien, les rats sortent. Dans une SIC, dans le nord de la ville, un tuyau défectueux offre carrément aux rats une porte ouverte sur le quartier. Le tuyau qui est ici, qui est le tuyau qui s'en va de l'autre côté, et regardez ici les crottes de rats. Voulez-vous donner mon rêve? Regardez, les excréments sont là. Dans le tour? Oui, là. C'est clair, là, les excréments. Ce qui brille, là, on voit les excréments. Donc, les rats, ils viennent dans le tuyau en bas, qui est le tuyau qui va à l'égout, se retrouvent là-dedans, montent ici, sortent là, et de là, ils réussissent, en montant là-dessus, etc., à ressortir. C'est ça qu'il faut qu'ils réparent au départ. Un autre tuyau relie ce puisard à un second situé juste à côté des poubelles d'une série de HLM. Vous envoyez beaucoup de rats ici, Mohamed? J'en vois presque tous les jours, là, surtout quand je reviens après l'école ou bien des trucs comme ça. Souvent parce que les gens, bon, ils savent pas vraiment quand jeter leur vidange. Souvent, ça traîne un peu partout. Fait que là, il y a les rats qui s'en viennent, puis ça dure presque toute la soirée. Les conditions du triangle de survie du rat se retrouvent toutes réunies ici. L'accès, par l'égout ouvert, la nourriture, fournie par les poubelles, et la protection, assurée par le chemin de fer et le terrain mal nettoyé. Des fois, on vient jeter nos vidanges, par exemple, on vient ouvrir ça, puis il y a des rats dedans déjà. Fait que des fois, on l'ouvre, puis tu les vois sortir par improviste, puis c'est un peu... C'est pas qu'on a peur, mais on est craintif, parce qu'il y a des microbes et tout, fait que si on se fait mordre, ce serait pas bon. Le problème est encore pire ici, en plein centre-ville. Des milliers de personnes passent chaque jour juste à côté de ce terrain abandonné, à côté du Club Soda, la populaire salle de spectacle, le coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Le jour, ils se cachent dans leur réseau de tunnels. Le soir, une bouchée de pain les fait sortir. Je viens juste de voir la queue qui descend. Plusieurs colonies vivent ici. Des centaines de rats, des rats qui infestent le quartier. Un problème majeur qui dure depuis des années maintenant. Regardez le vide qui est en dessous de ça, c'est pas normal. Et c'est ouvert, les rats peuvent sortir de là, c'est clair. La ville semble ignorer le problème. Les rats en profitent et se multiplient. Vivre à côté des rats, c'est vivre à côté des maladies. Si vous avez des rats chez vous, les gastro-entérites que vous allez avoir en cours de route, demandez-vous pas d'où ils viennent de là.